Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est mignon tout ça, hein. Mais c'est super timide. On va se la refaire à l'américaine avec la patate. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Ça c'est bon, t'entends ça? Vas-y, allume la lumière que je vois un peu qui on a. T'as allumé là? Ah, c'est à cause des lunettes, tu vois rien. Attends, j'arrive. Salut toi. Ouais, c'est une tradition, j'embrasse tout mon public. Ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Des gamins? C'est toi qui les a emmenés? Désolé. Pourquoi t'as fait ça? Tu pensais que c'était bien, ouais. Tu pensais que c'était une comédie musicale? Ouais, non mais c'est pas grave. Hein, y a juste des risques de séquelles psychologiques irréversibles, là, c'est pour toute la vie. Eh, tu le vois bien, il est terrorisé, s'accroche à toi, il le sent, c'est l'instinct, ça, il sait que c'est foutu. Non, eh, lâche ton père, lâche, calme-toi. Tiens, je vais te filer autre chose à tenir. C'est une bière. Tu la bois du sec dans les 10 premières minutes du spectacle, c'est le seul moyen de comprendre le texte. C'est insensable. Je la confie à ta sœur, vous la partagez, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Mais regarde ça, c'est pas mignon. Je vais m'asseoir sur tes jambes si ça te gêne pas. Salut toi. Ouais, j'en ai une fois. Ce soir, on a des très jolies filles dans le public. Et tu sais, les artistes ont besoin d'amour. Hein, aujourd'hui, il va falloir hurler, applaudir, rigoler, peut-être même gémir. Vas-y, gémis pour voir. Ah, elle est timide, ah, c'est mignon, c'est mignon. Est-ce qu'on a les Belges aujourd'hui? Ils sont... Ouais. Alors les Belges, j'avais une bière pour vous, mais c'est la petite du premier rang qui l'a piqué. Mais pour toi, il y a plein de Belges, ils vont t'attendre à la sortie. Non, ça fait plaisir, il y a toute la Belgique qui veut voir. Non, c'est bien. Par contre, vous deux au fond, là. Ah, attention. Ouais, vous êtes trop près, là, faut reculer. Ouais. Et fais attention, c'est ton futur patron. Mon futur patron, hein. Ah bah, ah. On va discuter un petit peu. Ouais. Salut, c'est quoi ton boulot? Tu fais des films d'action? Ouais, tout à fait. Ok, cool. Là. Moi, de la Provence. Ok. Les quoi? La pression? T'as compris, la pression. La pression, ça marche. Ok, cool. Bon, c'est sûrement des producteurs de porno. Alors, non, mais souvent ils sont intéressés par mon travail, les mecs. On va faire un test. Je vais vous dire comment je m'appelle et vous allez m'envoyer un maximum d'amour. Et attention, hein, quand un artiste parle d'amour, ils veulent des tonnerres d'applaudissements, des hurlements hystériques. Toi, la jolie rouquine, t'arraches ton soutien-gorge et tu le jettes sur les Belges, ils vont venir fous, tu vas voir. Le but du jeu. On va faire tellement bruit que les gens qui sont au spectacle d'à côté, ils vont nous entendre se lever et venir nous rejoindre. Et pour eux, c'est pas plus mal parce que le spectacle d'à côté, c'est de la merde. C'est genre une rêve qui est sortie de Chiruquier, je sais même pas quoi en ce moment, enfin bref. Alors, on y va, messieurs dames, un maximum de bruit, je présente, je m'appelle Master Job. Ouais. Expert en karaté, fan absolu de Jean-Claude. Vandame. Également prof de gym, uniquement pour les femmes. Oh. Ouais, je déconne un peu. Mais bon, si je fais ça, c'est parce que je suis très très content de vous voir. Et là, je déconne pas. Il y a 1200 spectacles à Avignon. Et vous êtes venus au mien. Il y en a même qui ont aucune idée de ce que je vais faire. Et ils se sont reconnus. Et qui sont venus quand même. Et ben franchement, ça me touche beaucoup. Je vous remercie. Ce soir, on va se faire plaisir. Moi, je vous le dis, on est entre nous. Alors, oubliez Master John, la superstar.
Oubliez Master John, guide spirituel et icône internationale. Non, je suis pas là pour me la raconter. Au contraire, je vais vous offrir ce que j'ai de meilleur. Pour réaliser mes rêves, je risque ma vie à chaque fois que je monte sur scène. Et ce soir encore, je vais risquer ma vie. Ouais. Ça a beaucoup de sens pour ceux qui comprennent. J'espère que ça donnera de l'amour et de la force à certains. Bon, au son et à la lumière, c'est ma maman. Et vu que je suis pas sûr de terminer le spectacle vivant, j'aimerais qu'on l'applaudisse maintenant, s'il vous plaît. Donc normalement, c'est le travail d'un technicien. Elle a aucune compétence, c'est clair. Ouais, ça va. Non mais c'est la vérité, tu connais rien. Faut être honnête, j'ai pas les moyens de me payer un vrai technicien. Et ben ça coûte beaucoup moins cher de faire bosser ma mère gratos. Hein. Bien sûr que j'ai honte de l'exploiter. Je suis pas un enfoiré. Tu sais ce que j'ai promis? J'ai fait comme ça là. Eh maman, le jour où ça marche, hein, le jour où on fait un peu de thune ou s'il y a un producteur là qui me prend pour un de ses films bizarres, ce jour-là, promis, je te paye une nouvelle caravane. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Arrête de prendre des risques avec ta vie. Sans déconner, alors que j'ai répété des centaines de fois, hein. Maman, je suis sur Terre pour une raison bien précise, j'ai un combat, et je vais continuer, tu comprends ça? Je suis déterminé. Vous comprenez? Déterminé. Vous comprenez rien, hein? Non mais arrête-toi, depuis le début, ça se voit, tu captes que dalle, mais tu veux comprendre, tu l'as vu au moins, ta bière? Et voilà. Calme-toi, ça va aller, je vais tout expliquer. Il était une fois... un coup de boule. Le coup de boule, c'est ma passion. Au début, je croyais que c'était juste un passe-temps, un hobby. Et puis finalement, ça a totalement changé ma vie. Cette histoire commence dans mon jardin. Je suis là, tranquille, en train de me faire quelques planches. Et là, je me dis, attends. Quand la fibre du bois se brise sous l'impact du crâne, je sais pas, j'ai mangé la poésie. Ah, mais je trouve ça tellement génial. Mais faut que je montre aux gens de quoi je suis capable. Ouais, mais comment faire? Participer à un concours, passer à la télé? Non. Faut faire ça dans la rue. Et où c'est qu'il y a plus de monde qui passe? Ah, Avignon, c'est de la merde. Faut aller sur le parking de la supérette, Franprix. J'enfile mon kimono, je jette les planches dans la bagnole et j'y vais. Et ben arrivé sur le parking, je fais pas le fier. Allez-y, vous faire des démonstrations sur des parkings. Et ben j'ai failli faire demi-tour, rentrer chez moi. Enfin, chez ma mère, quoi. Alors que bon, péter des planches, c'est mon truc, on est d'accord. Le problème, c'est que j'ai jamais fait ça devant personne. Là, je vois passer un mec que je connais un peu, je lui fais stop. Oh, regarde-moi, je vais faire un truc de dingue. Pendant que je farfouille dans la bagnole, t'as des potes à lui qui arrivent. Le temps que je me prépare et que je commence, oula, j'ai quasiment une dizaine de personnes autour de moi. Et tout le monde me regarde. Le moment de vérité, je brandis la planche et je demande le silence et la concentration. Sachez pas qu'il y en a un qui bronche. Parce que là, c'est pas de la planche de cagette. C'est du 30 mm d'épaisseur. Si j'ai pas l'angle parfait, si j'ai pas la bonne vitesse d'impact, ou si je fais une mauvaise estimation de la force du vent ou du taux de pénétration du coup de boule dans l'air, c'est pas la planche qui pète. C'est mon crâne. Je concentre toute ma cosmo-énergie. Le coup parfait, la cassure nette, propre, sans bavure, et tout le monde l'a vu. Par contre, personne ne réagit. Je reprends une autre planche et bah, pareil, aucune réaction. Et je sens le truc foireux. Alors je panique et j'enchaîne les planches. Bah, bah, bah. Et au fur et à mesure que j'éclate les planches, les gens se barrent. Je finis seul comme un con sur le parking et je comprends rien. Je comprends pas pourquoi les gens sont partis. Alors je réfléchis et le lendemain, je reviens avec un truc qui impressionne vraiment les gens.
une porte de frigo. Mais j'ai démonté le frigo de ma mère en fait, j'avais pas le choix. Il faut savoir qu'avec mon coup de boule, j'ai déjà explosé des écrans plasma, plié des capots de bagnole, brisé des meubles Ikea. Mais les portes de frigo, j'ai jamais testé. Alors je concentre toute mon énergie. Is... Ah yeah. Ça veut pas plier, hein. Au fur et à mesure que j'éclate ma tête dans cette porte, les gens se barrent. Encore une fois, je suis seul comme un con sur le parking. La porte de frigo cabossée dans les mains. La gueule en sang. Et j'ai mal. Mais pas au crâne. J'ai mal au bide. Parce que j'ai échoué. Bah ouais. Mais j'étais pas prêt. Évidemment que je suis pas prêt. Depuis quand ça marche comme ça? Tu crois que... Van Damme est devenu une star en claquant des doigts. A la base, son vrai nom c'était Jean-Claude Van Varenberg. Il était petit, chétif, une coupe de cheveux à la con. C'était un faible et il savait. Mais au fond de lui, il avait cette chose. La détermination, exactement. Il s'entraînait avec acharnement. Et il est parti aux States comme un samouraï. C'est là-bas qu'il est devenu Jean-Claude Van Damme. Maman, il y avait un effet dans le spectacle, hein. Mais je t'avais pourtant expliqué, je fais monter l'émotion, là ils étaient au bord des larmes les deux de devant. Et ben ils allaient hurler, c'est l'euphorie collective, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a trop de boutons. Il y a trop de boutons. Et t'as de la chance de pas être payé, hein. Tu manges pas ce soir, tu le sais ça, hein, tu le sais. On recommence, t'oublie pas, quand je dis Van Damme, tu balances les étincelles, tout le bordel, ils vont applaudir comme des dingues, t'es prête? T'es sûr? Oui. Il se fout de ma gueule en plus. On y va. Il s'est entraîné avec acharnement et il est parti aux States comme un samouraï. C'est là-bas qu'il est devenu Jean-Claude Van Damme. Et ben moi c'est pareil. Si je veux devenir un homme, je dois partir faire mon entraînement. Puisque je suis sur le parking de Franprix, j'en profite pour refaire les stocks. 200 boîtes de cassoulet, plus de 50 packs de bière. J'ai chargé la bagnole au max, de quoi tenir des mois. Dans l'autoradio, je mets le CD de Full Contact. Full Contact, c'est un des meilleurs films de Jean-Claude. J'adore la musique. Fenêtre ouverte, la bière à la main, le vent qui s'engouffre dans mon kimono, ça fait rêver les filles. Putain, j'ai encore failli écraser un gamin. Et sur la banquette arrière, il y a toujours la porte de frigo de ma mère. Ma mère. Mais j'ai pas prévenu que je partais. Et j'y aurais dit quoi, je sais même pas où je vais. Mais mon instinct pousse m'a guidé vers la montagne pour faire comme dans les films de chinois. Les 1000 marches de Shaolin, l'escalier taillé à même la roche, que tu grimpes avec les mains accrochées dans le dos, à la seule force des cuisses. Et attention, autant les chinois sont forts en kung-fu, autant en maçonnerie, c'est n'importe quoi. Leur escalier, il descend à pic, t'as pas une marche qui fait la même taille que l'autre, t'en rates une, tu te pètes la gueule. Tu finis 800 mètres plus bas, la colonne vertébrale en miettes. Mais dans un vrai entraînement, ouf, faut risquer ta vie. J'ai garé la voiture dans la forêt, près de la montagne. Et juste à côté, t'as une clairière, avec quelques arbres seulement. Avec les packs de bière, je me suis fait des genres de cibles en carton que j'ai accrochés sur les arbres. Un peu comme les affiches à Avignon. Et chaque jour, pour garder la forme, je répète mes enchaînements de karaté. Us. Enchaînement, je pars en courant au sommet de la montagne. Vu que c'est vachement haut, j'ai mis des canettes tous les 200 mètres.
C'est comme des checkpoints. Quand j'arrive en haut, je me place au bord de la falaise, en équilibre, au-dessus du vide, sur un petit caillou, une bière dans la main, l'autre devant les yeux est là, en hommage à Jean-Claude. Et plus important, améliorer mon coup de boule, devenir plus rapide, plus précis, plus puissant. Pour ça, j'ai un entraînement spécial. Un arbre. L'arbre le plus balèze de la forêt. Un tronc massif qui impose le respect. Le genre d'arbre qui se laisse pas pisser dessus. L'arbre à coup de boule. Je passe des heures, chaque jour, à taper dessus encore et encore pour renforcer mon crâne. Au début, je saigne, il y a des croûtes, c'est dégueulasse. Mais je continue, je retape sur les croûtes, ça part. T'es déterminé ou tu l'es pas. Et le soir, pour méditer, je fais de la peinture à la lueur de la bougie. Ouais, je fais de la peinture. Je peins le portrait de Jean-Claude sur la portière de ma bagnole. Et c'est magnifique. Et la porte de frigo, celle que j'ai pas réussi à plier là, est toujours là, posée contre un arbre à côté de la bagnole. Et avec sa gueule un peu cabossée, l'étage de son, on dirait qu'elle est vivante et qu'elle se fout de ma gueule, hein, l'air de dire. Alors, tu crois que t'es capable de me plier? Ça me rend fou, j'en deviens malade. Ok, c'est parti, toi et moi, en tête à tête, au sommet de la montagne. Ah bah c'est clair, hein. Au bout d'un certain temps où t'es seul dans la forêt, tu parles aux objets. Et je parle à ma bagnole, je parle aux arbres, et je suis pas fou, hein. Je parle surtout à Jean-Claude. Mais là, aujourd'hui, ça se passe entre la porte de frigo et moi. Je te l'ai chopé sur mon dos pour un duel ultime au sommet de la montagne. C'est parti. Ah. Je vais le faire. Ah. Arrivé là-haut, je la brandis face au soleil couchant et je demande le silence et la concentration. Merci les insectes. Un choc énorme. J'ai senti le métal se plier sur mon crâne. Et je redescends de la forêt tout fier avec mon trophée. La porte de frigo plie en deux. Pousse. Bah. Je suis allé jusqu'au bout de mon entraînement. Et là, ça y est, je quitte enfin la forêt. En même temps, je pouvais pas rester. Il me reste quasiment plus de cassoulet. Et vous savez quoi? Impossible de partir comme ça. En laissant la porte de frigo par terre comme un vulgaire déchet. Alors que bon, je suis pas spécialement écolo. Puis verrai dans quel état je t'ai laissé la clairière. Et la porte de frigo, non, il s'est passé quelque chose. C'est pas vraiment ma porte de frigo, c'est celle de ma mère. Ah, faudra que j'y rende un jour. Le problème, c'est que vu comment je l'ai plié, ça rentre plus dans la bagnole. Et alors là, idée de génie, hein, à la MacGyver, je te l'ai accroché avec du fil de fer sur l'aileron du coffre. Et ben ça donne un genre de double aileron géant en forme de V. Je sais pas s'il y a des amateurs de tuning dans la salle. Ah, quelques-uns, ouais. Eh ben franchement, ça avait de la gueule. J'ai mis les clés dans le contact et BAM! C'est reparti. Je roule dans la nuit complètement perdu. Et là, je croise un signe du destin. Un panneau de supermarché. Pas n'importe lequel, hein. Carrefour, les plus gros parkings de France. Déjà que Franprix, ça me faisait flipper. Ah, j'y vais. Arrivé là-bas, j'hallucine. Il y a des lumières multicolores, des décorations énormes, des guirlandes, des sapins. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Noël ou quoi? Effectivement, c'était Noël. Là, j'aperçois l'entrée principale. À l'instant, paf, frein à main, dérapage, demi-tour, je m'arrête en plein devant l'entrée, juste sous les projecteurs. Oula, le vigile arrive direct sur moi. Un grand black immense, il me regarde. Il regarde la bagnole, il me regarde de nouveau. Et ben je sens que c'est pas gagné.
Non mais tu verrais la gueule de la bagnole. L'aileron porte de frigo, c'est spécial quand même. Et puis le kimono, à la base c'est blanc un kimono, mais là en retour de forêt, il est marron, noir, vert, tout ce que tu veux, il y a même des taches de sang, le vigile pas con. Mais il voit bien que je suis pas le Père Noël. Mais il y a eu un miracle. Il a vu le portrait de Van Damme sur la portière, et sa gueule a changé direct. Vous savez, entre vrais fans de Jean-Claude, on n'a pas besoin de se raconter notre vie. Ok mon pote, écoute-moi bien. Ce soir, pour fêter Noël, on va rendre un hommage à Van Damme. Vous auriez vu le sourire sur le visage de cet homme. Il s'est mis au premier rang, face à ma caisse. Le gars n'a aucune idée de ce que je vais faire, mais il aurait raté ça pour rien au monde. Je grimpe sur le toit de la bagnole, je gueule à un coup pour rassembler du monde. Et il y a une foule. Mais quand je vous dis une foule immense qui se rassemble autour de moi. J'ai plus d'une centaine de personnes à mes pieds. Mais vous imaginez ce que ça fait? Je vous parle pas de prendre la parole en public, les gens sont là rien que pour moi. Je suis en panique, j'aurais hurlé. Je sais même pas depuis combien de temps j'ai pas parlé à un humain. Je vivais seul dans la forêt. Le seul à qui je parlais, c'était Jean-Claude. Au moment de prendre la planche, je tente le tout pour le tout et j'en prends une deuxième. Empilez l'une sur l'autre. Bam! On va voir si l'entraînement a servi à quelque chose. Allez, d'après mes calculs, c'est impossible que ça foire. J'ai développé chaque petit muscle de mon cou, renforcé ma boîte crânienne. Et je connais par cœur cet angle d'impact. Allez, on y va. Et j'ose pas relever la tête. J'ai trop peur que les gens soient partis comme d'habitude. C'est la première fois de ma vie qu'on m'applaudit. Le vigile, il vient me serrer la main et il me dit « Jean-Claude, il serait fier de toi. » Je salue la foule et les gens repartent comme ils sont venus. J'ai jamais été aussi heureux. Mais vous savez, l'euphorie, ça ne dure qu'un temps.